Clément Cancou se retire des concertations nationales. Son allié principal, le MLC, continue de siéger. Pour Fidèle Babala, cadre du parti de Jean-Pierre Bemba, chaque formation politique est responsable de ses actes. Chaque parti politique a sa liberté de penser et sa ligne de conduite. Je ne peux pas aujourd'hui, moi, juger de la position de mes partenaires et je demande que les autres n'en fassent pas autant, justement. Mais en ce qui me concerne, nous avons pris cette décision en toute responsabilité et j'ai même foi que cette décision va plutôt aider ceux qui sont restés à être un peu mieux considérés et à avoir beaucoup plus de gain de cause par rapport à tout ce qu'il y a eu déjà comme revendication de la part de l'opposition. Si vous m'avez suivi il y a 10 jours, j'avais tiré la sonnette d'alarme en disant à mes collègues de l'opposition de rester vigilants par rapport à tout ce que nous avons, nous, avancé comme argument ou comme revendication pour favoriser une véritable cohésion nationale. Tant que tout ceci n'est pas pris en compte, vous allez voir que nous allons tourner en rond et je me demande comment on peut obtenir une cohésion nationale sans qu'une bonne partie de la population se sente concernée. Je suis tout simplement inquiet pour mes frères de l'Est. Vous avez vu que la société civile vient de tonner pour dire qu'ils ne sont même pas concernés, ils ne sont même pas invités dans ces assises, alors qu'eux vivent au quotidien toutes ces souffrances.